Hey, salut la team Vision, j'espère que vous allez tous bien. On va parler aujourd'hui de setup. On va parler bien entendu de son, comme vous l'avez vu dans le titre. On va parler de micro entièrement compatible et accessible à l'iPhone, au smartphone sous Android, aux tablettes, à tout type d'appareil photo, style réflexe et autres, tout type de caméra. On va parler de la marque Maono. Cette marque m'a contacté pour vous, pour que je puisse vous présenter directement leur toute nouvelle solution, les Maono WM820. Alors vous allez voir que ces micros sont vraiment tip top pour faire du vlog, pour faire de l'enregistrement vidéo, pour faire du podcast, pour faire du TikTok, pour faire du YouTube. On va tout de suite passer au déballage de ces Maono WM820, ça sera les micros que j'aurai partout, mais pour l'instant, place au déballage des Maono WM820. D'ailleurs, un énorme merci à vous tous. On vient tout juste de passer les 76 000 abonnés. 76 000 abonnés. Merci vraiment à tous. Merci à tous ceux qui mettent un petit j'aime sous la vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui partagent, c'est vraiment énorme. 76 000 abonnés, jamais j'aurais cru arriver à un tel chiffre sur YouTube. Encore un grand merci à vous, vraiment. Merci de votre soutien. Continuez à me soutenir. N'hésitez pas à faire des petits dons sur la chaîne si vous en avez la possibilité pour m'aider à continuer à acheter des produits et à vous les présenter. Pour faire un don, vous avez tout ce qu'il faut dans la description de cette vidéo. Vous pouvez donc faire un petit don PayPal. C'est tout simple. Le PayPal de ma chaîne, c'est vision.i-tech@hotmail.com et ça me permet d'acheter de tout nouveaux produits pour vous les déballer et pour les tester, pour vous montrer si l'accessibilité existe ou pas. Allez, on passe tout de suite au déballage. C'est parti! Alors, sur cette fenêtre, vous allez découvrir les specs. Donc l'intégralité des spécificités de ces micros entièrement portables, Wi-Fi, compatibles iOS, Android, ainsi que PC, caméra, tablette. Enfin, vous allez voir que côté connectivité, on est sur de la connectique 2,4 GHz. Allez, donc on va déballer côté package. Vous pouvez voir qu'on est sur un package très premium. On a à l'intérieur quand même deux micros sans fil, Wi-Fi pour iPhone. Pour Android, pour faire vos meilleurs podcasts, vos meilleurs vlogs, vos meilleures vidéos sur YouTube. On est donc en façade, on peut s'apercevoir qu'il y a donc les deux micros plus le récepteur. Et on voit que tout en haut, la marque Maono, c'est donc cette marque qui m'a envoyé ces micros pour vous les présenter. Alors, ce sont donc les Maono WM820, complètement accessibles. Vous allez voir que il n'y a pas grand chose à faire pour que tout fonctionne correctement. Allez, on déballe et regardez déjà le côté premium. Allez, passons tout de suite à l'ouverture et vous allez voir, vous allez être très surpris par le packaging. Voilà donc pour la première ouverture. Bien entendu, on va retrouver la petite notice. Mais attention, cette petite notice ne sera pas en français. Donc, elle ne servira pas grand chose si vous ne parlez pas anglais. Regardez-moi ce package. On a donc deux micros et un récepteur, c'est vraiment très beau. Regardez ça de près, excellent au niveau du package, ultra premium. Tel des petits bijoux, on a donc dans une petite housse un émetteur et deux récepteurs. L'émetteur étant au centre et les deux récepteurs de chaque côté. Plutôt cool, vraiment très beau, très premium. Vous pouvez me faire confiance. Il suffira tout simplement de soulever cette petite mousse. Et on va découvrir ci-dessous deux cartons. Alors, on enlève le premier carton et à l'intérieur de celui-ci, on va retrouver différentes choses très importantes pour ces micros sans fil. Tout d'abord, on va retrouver des micro-cravates. Alors, vous me direz pourquoi avoir des micro-cravates avec des micros sans fil? Eh bien, ces micro-cravates sont équipées de ports jack. Avec ces micro-cravates, vous allez pouvoir les mettre dans les récepteurs, dans les micros sans fil, pour améliorer encore plus la réception du son pendant l'enregistrement de vos vidéos.
Et bien sûr, comme on a deux micros sans fil, on aura deux micros cravates. Et ça, c'est un des gros avantages de ces Mahono WM820. Dans ce package, on va donc retrouver trois petites bonnettes qui vont s'attacher vraiment très facilement. Alors vous allez me dire, pourquoi trois bonnettes alors qu'il y a deux micros? Eh bien Mahono a pensé à tout et vous en avez une de rechange si vous en perdez une. Plutôt sympa de la part de Mahono. On arrive donc sur le deuxième carton et à l'intérieur de celui-ci, on va retrouver... Alors, à l'intérieur de ce carton, on va retrouver donc le câble pour recharger vos trois appareils. Et Mahono était plutôt malin, puisque sur ce câble, ils l'ont équipé de trois prises USB-C. Au bout, vous aurez donc une prise USB-A. Mais super malin, trois prises USB-C pour recharger en même temps vos deux micros et votre émetteur. Et ça, c'est plutôt chouette, puisque sur le même câble, vous aurez vos trois appareils. Par contre, attention, vous n'aurez pas de prise murale, donc pensez à avoir une prise murale, mais tout le monde en a une aujourd'hui. On va donc ensuite retrouver un câble TLS spécialement dédié pour iPhone, pour smartphone en général, pour Android, et un câble TLS pour tout ce qui est appareil photo, caméra numérique, pour connecter vos micros sans aucun souci à n'importe quel matériel. Donc voilà, vous avez tous les câbles sont fournis, ça c'est plutôt cool aussi, ça évite d'aller racheter des câbles, tout est à l'intérieur. Comme je vous ai dit, on est vraiment sur un package très premium. Et maintenant on part au fond de la boîte et regardez moi ça, ils ont vraiment pensé à tout, une petite sacoche de transport pour mettre à l'intérieur tous les ustensiles que vous avez besoin pour enregistrer vos sons. Ce qui va être idéal avec cette pochette de transport, c'est que tout est compartimenté. Vous avez des endroits exacts où vous devez mettre vos micros, votre émetteur, vos petites bonnettes. Enfin, tout est là pour faire super classe. Franchement, c'est chouette. Vous avez tout pour transporter l'intégralité de vos appareils. On passe tout de suite au test maintenant des micros. Je vous décris comment ces micros sont faits. Alors, dans un premier temps, regardons ensemble, j'ai rangé la pochette de transport et regardez, tout est vraiment nickel, tout est rangé, tout à sa place, c'est vraiment top. Alors si on pose les trois modules les uns à côté des autres, on voit qu'ils sont énormément ressemblants. Alors, bien entendu, il y aura quelques petites particularités, puisque on a deux micros sans fil Wi-Fi 2,4 GHz et regardez, donc au centre, on a un cercle. Ça, c'est sur chacun des modules, avec la marque Mahono au centre. Sur le dessus des micros, on va retrouver deux connectiques. Alors, ces deux connectiques, on va retrouver donc une petite grille, qui sera donc le micro, avec deux petites encoches, où on pourra insérer notre petite bonnette qui est livrée avec, voilà, pour, en fait, si vous êtes à l'extérieur, vous protéger du vent. Et à l'opposé, donc, on aura un port jack pour insérer le micro. Derrière, on va retrouver une petite pince pour mettre le micro sur un blouson, sur une veste, pour avoir le micro le plus rapproché possible de la bouche. Ensuite, sur le côté droit, on va donc retrouver trois boutons. Le premier bouton en haut à droite sera donc le bouton d'allumage et on aura un bouton mute et un bouton micro. Puisque, vu que vous avez deux micros, vous allez pouvoir en fait mettre votre micro sur pause lorsque l'autre personne parlera pour éviter les interférences. Ça c'est vraiment cool, par exemple pour les interviews. Alors bien sûr, les deux micros sans fil sont exactement constitués de la même façon. On aura exactement les mêmes boutons, au même emplacement. Donc passons au premier allumage sur le bouton en haut à droite. Et là, une petite LED va s'allumer en haut à gauche du micro. Au niveau de cette LED, c'est le niveau de batterie, 6 heures d'autonomie, ce qui n'est pas rien. Et vous aurez donc la LED qui clignote et qui s'arrêtera de clignoter lorsque l'appairage sera exécuté. Idem sur l'autre micro, tout se passera de la même façon. Ce qui est assez cool au niveau de ces deux micros, je dis bien Wi-Fi 2,4 GHz, donc des micros sans fil. Si on prend donc l'émetteur, on a dessous donc la connectique pour le recharger. Et sur cet émetteur, on a une petite particularité côté connectique. On pourra donc connecter un casque pour justement évaluer l'environnement sonore
lorsque vous allez être en enregistrement, ce qui est vraiment cool de ce côté-là. Et vous aurez donc la connectique pour aller connecter l'émetteur sur n'importe quel smartphone, iPhone, tablette, appareil photo, réflexe ou caméra. Donc sur le côté là, vous allez avoir trois boutons. Bien entendu, complètement en haut, le bouton marche arrêt et des boutons de volume plus et moins, justement pour écouter lorsque le son sature ou pas. Ça, c'est un des avantages de cet émetteur, c'est de pouvoir gérer le son de vos micros. Alors, l'appairage se fait très rapidement. Dès que vous avez allumé l'émetteur et dès que vous allumez les micros, il s'appaire automatiquement. Vous ne voyez plus clignoter en fait les petites LED, ce qui veut dire que vos micros sont appairés. On va avoir une distance de 50 mètres lorsque vous allez utiliser ces micros. Ça, c'est pas négligeable non plus, c'est super cool de pouvoir faire des enregistrements loin de votre smartphone, loin de votre caméra et avoir un super son. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous-même vous utilisez ce genre de micro avec vos smartphones ou vos iPhones pour faire par exemple l'enregistrement de son et pour ensuite faire des montages ou faire des vlogs ou faire des podcasts. Allez, on passe tout de suite au test des micros et vous me direz en commentaire ce que vous pensez du son. Ça m'intéresse beaucoup. C'est parti. Voilà donc les amis, le petit micro est normalement connecté. Je lui ai positionné sa petite bonnette. Vous devriez m'entendre sans problème. Donc actuellement, le micro, je vais l'attacher sur ma veste grâce à la petite pince. Voilà les amis, donc déjà j'espère que le son est bon, car je ne peux pas vous dire si le son est bon pour l'instant puisque je ne l'ai pas encore testé. C'est en direct, c'est en live, c'est sur Vision High Tech. Surtout si ce test vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit j'aime sur la vidéo qui encourage la chaîne. C'est vraiment très important. Sachez que les petits pouces que vous mettez, les petits j'aime, les petits commentaires, ça fait vraiment évoluer la chaîne. Donc si vous voulez m'encourager, la meilleure des choses, c'est de me mettre un petit j'aime pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. Là, je suis à peu près à 1m50, 2m de l'iPhone. On va reculer. Normalement, la distance préconisée est de 50 mètres. On peut, à partir de 50 mètres, parler encore et on peut être entendu. Alors, 50 mètres, ça fait un peu beaucoup. Donc, on verra bien comment ça fonctionne. Je vais déjà au moins essayer 10, 20 mètres, voir comment ça se passe. Dites-moi en commentaire surtout si ce genre de micro peut vous plaire. Sachez que ce genre de micro, compatible, comme je vous ai dit, iPhone, Android, tablette et tout type de caméscope ou de réflexe, d'appareil photo, peut vraiment être efficace pour faire des interviews, pour faire des podcasts, pour faire des vidéos, des vlogs, pour faire en fait, si vous, par exemple, si vous faites de la musique, avoir ce genre de micro sur vous et vous enregistrez à 10-15 mètres, vous aurez un très bon rendu sonore sur votre smartphone. L'avantage avec ce genre de micro, l'avantage avec Mahono, c'est que vous avez deux micros. Alors deux micros, ça permet en fait d'avoir une discussion avec une autre personne. Là, j'ai personne avec moi, mais l'autre micro pourrait servir à une interview pour que le son soit correctement mixé. Voilà, donc maintenant, je vais reculer d'à peu près 10 mètres et voyons voir comment le son réagit. C'est parti, j'avance, je fais 10 pas. 1. Voilà, donc là, je me suis éloigné d'à peu près 10 mètres. Donc là, mon iPhone est à peu près à 12 mètres, hein, puisque j'avais à peu près déjà 2 mètres lorsque j'étais en train de vous parler. Et j'espère que le son passe toujours bien. Dans tous les cas, on va bien voir si la qualité du son est au rendez-vous. Je peux vous dire que ces micros vont rentrer directement dans mon setup. C'est clair et net, c'est franchement le top. Donc ici, je suis à peu près maintenant à 12 mètres. On va voir le résultat lorsque je vais monter la vidéo et je vais encore une fois reculer de 10 pas. Ça fera que je serai à peu près à 22 mètres de mon iPhone. Sachez que vous allez pouvoir faire ça aussi sur un smartphone Android, ce qui est plutôt cool lorsque vous voulez vous filmer à distance sans fil. En plus, c'est un Wi-Fi 2,4 GHz, donc c'est un Wi-Fi très puissant. Normalement, il ne doit pas y avoir déconnexion intempestive. On va bien voir lors du montage, mais dans tous les cas, la facilité de mise en place est vraiment énorme. Que vous soyez malvoyant, non-voyant, il n'y a rien à faire, vous n'avez qu'à brancher vos câbles sur votre iPhone et vous n'aurez qu'à allumer tout simplement les appareils, ils vont se connecter automatiquement, c'est ça l'avantage. Allez, je repars sur 10 mètres en arrière, c'est parti.
Voilà, donc là maintenant je dois être à peu près à une trentaine de mètres de l'iPhone. Donc là vous devriez peut-être moins m'entendre, je sais pas. Dans tous les cas, regardez ici, je suis quand même assez loin de l'iPhone, hein, et j'espère que le son passe correctement. Donc ce qui est intéressant dans ce genre de micro, c'est la facilité, c'est être libéré des câbles, c'est être libéré des fils, franchement, et en plus c'est, comme je vous disais tout à l'heure, accessible à tous. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens en description. Voilà, donc ici, je suis à peu près à 30 mètres. Allez, je me refais de nouveau 10 pas pour voir si à 40 mètres, on entend encore le son. C'est parti. Donc là, je dois être vraiment à la limite. La limite de ce qu'on peut avoir droit, puisque j'avais déjà 2 mètres au premier rush. Donc là, je suis à peu près à 42 mètres, hein. Donc, je sais pas si ça passe bien. En tout cas, je suis très loin de l'iPhone et j'espère que côté son sera fait le taf. Le côté vraiment portabilité, c'est vraiment énorme. On peut partir avec ces micros. 6 heures d'autonomie, 50 mètres de distance. On a à peu près, au niveau du chargement, c'est à peu près 2 heures de chargement. Donc, plutôt pas mal. Allez, je reviens. 1, 2, 3, 4. Je suis complètement en train de revenir vers mon iPhone et vous devriez m'entendre. Ce qui est sympa, c'est vraiment cette légèreté. En plus, là, je peux vous dire qu'il fait du vent. Donc, on va voir si la bonnette a vraiment fait son effet. Vraiment, c'est le top. Ici, je avance vers mon iPhone. Je me rapproche de plus en plus de lui. Merci en tout cas d'avoir pris du temps et d'être resté jusqu'à maintenant sur cette vidéo. Et on va tout de suite regarder le résultat sonore. C'est parti, les amis. Et je compte sur vous, sur vos petits j'aime. Allez! On y va, c'est parti. Ouh. Voilà donc avec les deux modules, si vous désirez encore plus améliorer votre son, vous avez donc les deux micro-cravates qui sont livrés avec. Vous n'avez qu'à en fait aller insérer le micro-cravate dans le port jack du micro portable. Voilà, donc ici j'accroche mon micro. Et regardez, l'avantage c'est que là je vais avoir un accès ultra proche. Et là donc j'ai vraiment un accès ultra proche près de ma bouche. Vous devriez normalement entendre le résultat, il devrait être super nickel. En tout cas, un grand merci à la société Maono de m'avoir donné l'occasion de pouvoir vous tester ces micros. Alors si vous vous posez la question si c'est les micros que je peux vous conseiller, alors là je vous conseille, mais carrément, si vous voulez faire de la prise de son, si vous voulez faire des enregistrements vidéo, si vous voulez faire des enregistrements audio, ce genre de micro, c'est ce qu'il vous faut. Je vous mettrai donc tous les liens en description. Vraiment, c'est énorme. J'attendais ce genre de micro depuis très longtemps, puisque dans pas longtemps, je vous donne rendez-vous à Autonomic Rennes. Ça va être au mois d'octobre. On pourra se voir, on pourra discuter ensemble et peut-être que je vous ferai une petite interview grâce à mes nouveaux micros Maono WM820. Dites-moi ce que vous en pensez et surtout, dites-moi si vous êtes du côté de Rennes et si vous allez aller au salon Autonomic de Rennes dans très peu de temps. D'ailleurs, au mois de décembre, il y aura Autonomic Lille, donc j'y serai aussi. Si vous voulez venir me rencontrer, ça sera avec plaisir que l'on puisse discuter ensemble. Regardez-moi ce combo, c'est vraiment génial. On a vraiment un très bon combo de micros, un adaptateur, un émetteur, 50 mètres de distance, 6 heures d'autonomie pour 2 heures de charge, c'est vraiment très rapide. Compatible iOS, Android, tablette, smartphone, appareil photo, éventuellement Mac, éventuellement Windows. Donc vous avez ce genre de micro entièrement portable. Vous pouvez vous balader sans aucun souci. Voilà les amis, donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous désirez en voir d'autres. Comme je vous le disais en début de vidéo, si vous voulez m'épauler, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas. Je vous mettrai donc mon lien PayPal si vous voulez m'aider au niveau des dons. Il n'y a pas de problème, je pourrai racheter du nouveau matériel et vous présenter d'autres matériels. Puisque faut savoir qu'une grosse partie du matériel que je vous présente, j'en ai moi-même fait l'achat pour pouvoir vous le présenter, pour essayer de lancer ma chaîne. Et aujourd'hui, ça devient un peu plus compliqué. Donc, je compte sur vous. Si jamais vous pouvez m'aider, n'hésitez pas à le faire. Ça me fera toujours plaisir. Sinon, pour m'aider aussi, n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce en bas de la vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir et ça encourage énormément la chaîne. Merci pour les 76 000 déjà, 80 abonnés, on arrive déjà aux 76 100 en même pas 24 heures. C'est vraiment le top, merci encore à vous
Et surtout, merci d'avoir pris du temps et d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines aventures accessibles à tous avec maintenant mes nouveaux micros. Ça va être génial de pouvoir en fait filmer à distance. Merci encore à vous, prenez soin de vous et à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous sur Vision High Tech. Allez, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous. Salut, salut, salut les potos.